Bon, bah c'est parti. Ouais. Et voilà. Jusqu'à présent, nous coupions les arbres avec des ciseaux. Le principal problème, c'est qu'avec les ciseaux à bois, la caravane passe. Nos scientifiques ont déjà beaucoup planché sur la question, mais il reste encore du boulot. Voilà, vanne sur vanne. Gouverneur, la couronne a décidé de réclamer des impôts fonciers à Tropico. Mes contacts à la cour m'ont fait savoir qu'Isla Arroyo était à l'origine de cette idée. Je ne sais pas comment ils espèrent en profiter, mais vous, vous allez en souffrir. Salaud. Écoutez-moi bien, car je ne le répéterai pas. J'ai appris l'existence d'une arme secrète indispensable pour la révolution. Une bibliothèque supplémentaire. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils vont m'inventer ? Nos soldats sont peu nombreux, mais... C'est ça. Enfin bref. Allez, c'est parti, deux tours de garde. Étendard du bon côté. Au départ, toute l'équipe était pour le maître. Mais un matin, l'un d'entre eux s'est dit contre le maître. Vous avez compris? Contre le maître. Tiens, c'est amusant, nous venons aussi de découvrir les mauvais de mots. Voilà. Ce sera de votre faute. Sa royale majesté m'a... Si je vais pas faire la même bêtise, hein. Je vais demander des mois de prolongation et j'ai évité de me mettre le roi à dos. Ou la reine d'ailleurs. J'irais plutôt la reine. Ma volonté est absolue. Cette voix dans ma tête. Il est fou. Enfin bref. Je crois que j'ai mis le point trop loin. Ah, juste ce qu'il faut. Gisement d'uranium, la loose des totales. Y a pas une mine exploitable dans la zone. Ok, j'avais tort, je vous le concède. Merci pour la constitution. Bibliothèque 4900. Je sais que là-bas c'est de l'or, ça j'en suis sûr. Tout le monde peut faire pousser des choses. Mais essayez un peu d'exporter massivement des produits issus de votre bétail. Ça, c'est un pari plus difficile. Qu'est-ce que vous en dites? Du bétail. Gouverneur, la couronne réclame... Ouais, 100 dollars par bâtiment. Commence à devenir gourmand. Dommage, il en faudra un peu plus. La première étape du plan de sa majesté. Exporter de la viande, youpi, je vais faire deux objectifs en même temps. Ça va être assez intéressant.
Un gisement de bauxite. Ok. Presidente, vous vous doutez bien que nous avons été sciés quand nous avons inventé les journaux. C'est un papier sur lequel on peut imprimer des informations, des interviews avec des notables tropiciens ou des éditoriaux politiques. Autrement dit, tous les tropiciens pourront s'exprimer. En plus, cela vous fera passer le temps quand vous irez au petit coin, Presidente. Il est apparu à l'ordre que vous n'avez plus les faveurs de la couronne. Et cela met en danger votre mission. J'ai fait jouer mes relations pour tenter de trouver une solution. Ouais. Ouais, la deuxième bibliothèque. Ma sixième tourelle. Et le phare coûte 4000. Ok. Il y a un moyen de contourner les impôts fonciers. Vous devrez faire votre part. L'ordre ne veut pas que vous comptiez sur nous pour... Hop. Ça, ça va me servir. Les rations supplémentaires. Et le droit aux armes. Ouais, je crois que c'est tout. Où est-ce que je vais mettre ça, moi? Uchu, c'est très bien. Avec le pub juste en face. Profit du bétail, pas énorme. Maintenant, j'ai encore plus de bétail. Oh yeah. Une mine d'or. De l'or, monseigneur. Pour déterminer les meilleurs plats de tout l'Empire, Sa Majesté a organisé un grand concours de cuisine. Nous devons montrer au monde que la cuisine de Tropico est la meilleure de la planète. Penultimo. Allez mon winner, vas-y. Parce qu'il me reste que 2 ans, je suis pas sûr que je vais y arriver à ce rythme. Grâce à vos efforts, les mouvements révolutionnaires deviennent plus forts. Je prendrais plutôt l'argent, moi. Normalement il faut des exportations. Du coton. Désolé. Je suis légèrement dans la en loose dé. Bien. Exporter des produits agricoles, c'est trop facile. Mais monter une véritable industrie autour des ressources, c'est impossible dans une économie exploitée par la couronne. La moitié de l'armée américaine. Nous avons découvert la paperasserie. On peut en faire pour tout et n'importe quoi, et il n'y a aucune limite. Les gens sont tellement dingues qu'ils font la queue pour en obtenir encore plus. On pourrait presque y consacrer sa bille. Cool. Mmh.
1676 de coton. Les mines de bauxite. Je vais plutôt économiser pour un fort. Quelqu'un m'a volé un manuscrit et l'a publié sous un faux nom. C'était le récit autobiographique de deux hommes qui vivent à la montagne et apprennent à se connaître en profondeur. Ce n'est vraiment pas très gai comme histoire. Référence à Broadback Mountain. Bon. Oh oui, j'exporte beaucoup de viande. Voilà, comme ça ils pourront se déplacer directement vers la zone à protéger. Royal, majesté. Prolongation de mandat. Je cherche pas autre chose. Juste des prolongations de mandat. Oh, le profit du bétail c'est quasiment fini. Nos soldats sont peu nombreux, mais le... J'aime bien comment il vient de s'exploser dans le phare quand même. Hein. Nous avons progressé dans le développement de l'arme secrète de la Révolution. Il nous faut maintenant développer plusieurs technologies avant de continuer. Grâce à vos efforts, les mouvements révolutionnaires deviennent plus forts. Ouais, plus de révolutionnaires. Bon, et de bibliothèque, ça servira pour après. Car oui,